Vous ne buggerez pas! Maître Flob est mort! Ex-maître Flob, tu nous quittes brutalement suite à une indigestion non moins brutale de... Ah bon, de jus de pomme qui nous dit Elvis, désormais le maître du rage. Non, maître du monde. Ah bah, si tu veux, hein. Bon. Nous aurions aimé t'offrir un meilleur cercueil que cette unique planche, mais un dangereux pyromane vêtu de verre a brûlé toute la forêt dans les collines, alors, hein. Ça fera avancer mon programme de suppression de Noël. Ah non! Et voilà, t'as fait pleurer le gosse maintenant, t'es content? Oh! Il pleure depuis tout à l'heure. Man! Quoi? Tu es triste, n'est-ce pas? Pas du tout, voyons! Je suis l'allégresse incarnée! Je vois les étoiles danser faisant la ronde sur un arc-en-ciel! J'adore les arc-en-ciel! Non, tu pleures! Non, c'est exact! Le monde est gris comme les joues de ma grand-mère! Flob était le meilleur présentateur que nous ayons eu! Et nous l'avons perdu, c'est vrai! Mais tous les trois, le capitaine ici présent, Tonton Hugolin et moi-même, nous avons prouvé que nous étions capables d'assurer les missions et d'en faire quelque chose d'aussi bien! À nous trois! Nous valons Flob! Mais au fait, tu n'avais pas un test à faire? Ah oui, merde! Cette conversation n'est pas terminée! Mais Tonton, qu'est-ce que tu fais? Bah, je chante le générique. Mais je sais bien que tu chantes le générique, mais je veux savoir pourquoi que tu chantes le générique. Bah, t'as pas vu que la vidéo est déprimante depuis le début? Même le générique, il est en noir et blanc, faut bien que les gens y rigolent un peu, non? Ah, c'est sûr, ils devraient bien rigoler, tellement t'es ridicule. Bah, c'est le but, hein. Donne-moi ce micro, c'est moi qui fais le test. Non. Si. Non. Si. C'est mon micro. Non, c'est le mien. Bon, ben, on n'entendra pas les paroles que j'avais écrites. Mauvais jour à tous, et si vous avez des condoléances à faire, déposez-les dans la boîte à coms juste là. Aujourd'hui, comme personne n'aurait pu le prévoir, on s'attaque à la suite du jeu qu'on a testé la dernière fois, à savoir Lego Harry Potter années 5 à 7. Le jeu est sorti en fin 2011, après que la deuxième partie des Reliques de la Mort ait conclu la saga en beauté. Les films adaptés dans ce jeu-ci sont bien évidemment L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang-Mêlé, ainsi que les deux parties des Reliques de la Mort, autrement dit tous les films réalisés par David Yates. Qui doit être bien content que le jeu réunisse les 4 volets qu'il a tournés. Je suis contente. Alors avant de commencer, j'aimerais vous faire part de quelques inquiétudes qui me sont restées dans la tête après que j'ai joué au jeu la première fois. Numéro 1. Tout d'abord, sur la jaquette, on remarque que Nagini, le serpent de Voldemort, est foutrement surdimensionné. Ok, mais pourquoi? Je sais que Voldemort lui donne ses victimes à manger, mais à force de les tuer avec un jet de lumière verte, par moments, ça doit irradier un petit peu les cadavres. Alors forcément, faut plus s'étonner si on a un serpent radioactif de la taille du basilic. C'est que ça se tient. Numéro 2. Les règlements de Poudlard ne sont plus respectés.
c'est la nuit et les élèves se baladent dehors. Ils se baladent dehors. Les quatre maisons vont perdre tous leurs points à cause d'une mutinerie étudiante. Ah ! Numéro 3. Quand anarchie rime avec connerie, c'est bien beau de jouer les gros durs en sortant la nuit, mais évitez quand même de le faire quand il pleut. Non mais vous faites quoi? Vous voulez tous prendre froid, c'est ça? Allez, suicide collectif quoi! Ah, elle va être belle la bataille de Poudlard avec cette bande d'enrhumés! Feu de... Oh non, non, non! Ah, être jeune et connaître les mots que rhume inflige. Numéro 4! Dès que le jeu est installé, il faut aller dans les options pour adapter les touches à votre sauce. Bon, d'accord. Mais dans la mesure où 99% des jeux se souviennent de vos modifications, pourquoi faut-il que les touches de Lego Harry Potter années 5 à 7 se réinitialisent à chaque redémarrage? Car cela nous amène à l'inquiétude numéro 5. Qui a eu la bonne idée de mettre les touches de direction sur des lettres de l'alphabet? Ça va être marrant de jouer comme ça, tiens. Numéro 6. Vous vous rendez compte qu'on n'a toujours pas passé l'écran titre? Avada Kedavra. Pas besoin de vous réexpliquer le gameplay qui se révèle, oh surprise, à la virgule près du jeu précédent. Mode histoire, jeu libre, vous le savez par cœur. C'est ça, quand on perd un être cher, hein, on s'imagine que tout le monde est au courant de ce qui a été dit dans les anciennes vidéos, alors hein, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Quoi? Qui c'est qui a dit c'est vrai? C'est toi, c'est toi, c'est toi! On a toujours les leçons de magie entre les niveaux, et c'est dès le début du jeu que l'on s'aperçoit, avec stupeur, que Harry Potter a oublié tous les sortilèges qu'il a appris durant ses 4 premières années. Sans doute un effet post-traumatique de la mort de Cédric à la fin du 4, comme à quoi personne n'en est épargné, hein? Pourtant c'est bizarre, Dumbledore, il a donné au père de Cédric un schéma pour le reconstruire, alors par déduction, il est vivant, non? Non? Je sais pas. Non mais c'est vrai, en quatrième année, autrement dit dans le premier jeu, on apprenait le sortilège du Reducto avec Maugrey Folleuil. C'était le sortilège qui permettait de faire péter les objets argentés. Mais devinez ce qu'on apprend en sixième année dans le second jeu? Mais devinez, hein? Réponse. Reducto. Oui. Ah, elle va être belle, la bataille de Poudlard, avec cette bande d'enrhumés amnésiques. Avada. Merde, j'ai oublié. Non. Non. Ah, être jeune et connaître les mots qu'Alzheimer inflige. Rage. Parlons un peu de nouveauté maintenant, car même si ce jeu ressemble beaucoup à son aîné, il apporte quand même quelques petites différences qui l'en démarquent pas mal. Par exemple, certains sortilèges comme l'Immobilus ou le Ridiculus laissent la place à des nouveaux comme le Diffindo qui sert à découper les murs rouges, et l'Aguamenti, super efficace les jours où il fait trop chaud et que vous voulez vous faire une bataille d'eau. C'est trop fun. Nouveauté majeure, les duels de sorciers. Un mode de combat un peu bourrin, mais qui demande des réflexes quand même. Il faut sélectionner le même sortilège que l'adversaire et marteler la touche qui vous est indiquée. Bah, mais dans ce cas... Cul. Je veux du cul. Mad. Mais que t'arrive-t-il? C'est la douleur du deuil, tu comprends? J'ai besoin de me défouler sur quelque chose. Te défouler sur quelque chose? Sur quelque chose ou sur quelqu'un? Ah! Ouais, je comprends. Je redescends. Et remonte pas. Si Poudlard est resté quasiment le même comparé au premier jeu, l'exploration pour trouver tous les bonus s'avère cette fois encore plus variée car on sort davantage du château. On va visiter Préolard, une rue de Londres carrément, la gare de King's Cross, et même la forêt des reliques de la mort, où se côtoient plusieurs saisons, ce qui est visuellement très beau. Regardez-moi cette merveille, j'ai l'impression que le graphiste qui a fait ce lieu n'était nul autre que Tim Burton.
il y a la forêt, il y a la rivière, il y a la neige. C'est beau! Encore une fois, là où on prend le plus de plaisir, c'est bien sûr pendant le moment du jeu libre. Puisque vous pouvez contrôler les mange-morts qui ont des sortilèges que les gentils n'ont pas. Toi là, tes parents sont moldus? Le feu de cadavre! Toi là, non mais allô, t'es un Lego et t'as des cheveux en plastique? Andoloris! 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 Mad, la colère n'est pas une solution! Tonton, quand est-ce que tu comprendras que j'ai perdu mon frère? D'accord, je retourne à l'enterrement. Joue bien. Ma famille est détruite. Tout comme son aîné, le jeu glisse des clins d'œil au livre. On apprend des choses que les films ne disent pas, comme le fait que Greyback soit un loup-garou. Mais également, et le saviez-vous, que Xenophilius Lovegood se travestit en cachette. Je suis une femme. Les graphismes sont encore meilleurs que dans le premier jeu. Par exemple, le passage de la caverne en met vraiment plein la vue pendant la bataille contre les Inferi. Oui, les Inferi. Ouais. Les gollums que l'on voit sortir de l'eau dans le film, ouais, ça a un nom. Et pour finir, mon niveau préféré, c'est quand la salle surdemande brûle dans le dernier, avec la musique Bloomsticks and Fire. I love you, J.K. Rowling. Façon de parler. On a bien entendu les musiques des films, composées cette fois par Nicolas Hooper pour le 5 et le 6, et par le français Alexandre Desplat pour les deux parties du 7. Niveau humour, les Lego sont toujours aussi muets qu'au début, et pourtant ils ont toujours le même talent pour nous retranscrire une scène telle qu'on la trouve dans le film, tout en la parodiant. Comparons. C'est notre arbre généalogique. Ici, c'est ma cousine détraquée. Je les haïssais tous, sans exception. Mes parents, avec leur manie du sang pur. Ouais, Mr. Bean serait jaloux s'il voyait ça. Hélas, c'est la dernière fois qu'on entend des Lego s'exprimer avec des borborygmes, puisqu'il prendra la parole dès Lego Batman 2 sorti l'année suivante. Et qu'on a toujours pas installé. Ah, il serait temps, hein? Bref, profitons des derniers moments où on peut encore entendre des formules magiques telles que ça. C'est tout, ça me va. Être remplacé par ça. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Quel trait de poésie. Raid. Et les défauts? Ils sont où les défauts? Ben y'en a pas de défauts. Un gameplay qui, bien que ressassé, reste encore sans faute, des graphismes améliorés, une exploration variée, un bon humour et presque pas de bugs, ce jeu Lego est tout simplement mon préféré parmi tous ceux auxquels j'ai joué. Et comme la Rage Bar est morte! Décidé avec mon disque dur, je vous le donne en mille, je n'ai que 5% de raison de rager sur ce jeu. Et c'est pour ça que je ne vais pas le détruire ou un truc du genre, je vais tout simplement le ranger soigneusement, comme ça. Flob ne l'aurait pas voulu. Pendant ce temps. Mais qu'est-ce qui est fou? J'en sais rien! Ah! Encore un de moins! Si je m'écoutais, j'achèverais les deux qui restent. Alors je commence par qui? Le vieux moustachu? Oh ouais, je suis pas vieux! Ou la jumelle efféminée! J'ai entendu. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai peut-être une explication rationnelle. À mon avis, la danse qu'a effectuée le capitaine à l'instant, danse qui vient de la tribu néo-exotique des Aborizulum Bonobo, est en réalité un rituel mystico-druidique appelé l'échange d'âme. C'est quoi ça? L'échange d'âme, monsieur, comme son nom l'indique, est un rituel consistant à échanger son âme avec celle de quelqu'un, même s'il est mort. Mais alors ça veut dire que
Échanger son âme avec celle de quelqu'un, même s'il est mort. Avec celle de quelqu'un, même s'il est mort. Même s'il est mort. Salut Elvis. Flob. Tiens, le capitaine n'était même pas borgne. Je me souviens, viens. Mais, et moi? Merde. Toto, tu viens avec moi? Je me suis déjà fait mordre par un zombie une fois, alors merci, hein. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Déco? Dans 2 minutes, je vous aurai rattrapé! 3 jours plus tard. Après 3 jours de poursuite incessante, à faire le tour du pâté de maison, là, juste en face. Rien que ça, j'ai finalement vu Elvis et Monsieur VF se replier ici, dans la cour de chez moi. La cour de chez toi, où tu vas mourir. Non, pas encore, ça devient lassant à force. Oh. Tu vas enfin mourir, maître Flob. Et pour de bon cette fois. Tu as perdu. Vous avez tous perdu. Toi, ton oncle et ton pédé de frère. Et donc le but précis de ce jeu, aux surprises, c'est de promener le curseur sur l'écran afin de... trouver Charlie. Ton pédé de frère! Oh le salaud! C'est toi qui m'as traité de pédé? Tu peux me laisser une minute? Personne! Tu m'entends? Personne ne me traite de pédé! Walla walla walla! Ça, c'était pour Tonton Hugolin. Pour le capitaine. Pour Monsieur VF. Et ça, c'est pour moi. Mais c'est ignoble. Nico! Non mais vous, c'est parce que tu crois! On s'appelle! Faut que je te remercie. Ah, sans toi... Ne crois pas que cette histoire soit terminée. Loin de là. On a galéré pendant des mois pour te faire revenir. On a eu une putain de panne d'ordi qui nous a fait retarder de 3 mois la vidéo. Tu as eu des fans qui ont attendu désespérément que tu présentes à nouveau les tests. Et le capitaine s'est sacrifié pour te ressusciter. On t'a retrouvé et crois-moi mon poulet, on va pas te lâcher. Vous allez me punir, c'est ça? As-tu entendu parler des 7 sentiers de l'humiliation? Non, je connais pas. C'est quoi les 7 sentiers de l'humiliation? Excusez-moi, mais...
Quand vous aurez fini, vous pourrez me ramener